La réforme du code du travail vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles, c'est qu'on vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille, c'est qu'on vaut mieux que ça. Est-ce qu'on garde là? La mobilisation qui dure depuis maintenant 2 mois continue avec plus de force encore. Il y a un monde énorme. Et je ne crois pas que ce soit seulement le soleil qui fasse ça. C'est que le mouvement s'enracine, il dure, contrairement à ce qu'espère le gouvernement, malgré toutes les provocations qui ont eu lieu cette semaine. Et c'est important de mettre le débat parlementaire qui va commencer mardi sous pression. Et que la mobilisation elle est loin d'être morte et qu'il y a toujours plein de gens qui sont mobilisés contre la loi travail et pour son retrait. Et en plus, le 3 mai, donc la semaine prochaine, ça passe à l'Assemblée, la loi. Donc nous, on est déterminés là et on essaye d'interpeller les députés pour pas qu'ils votent la loi. Voyons les porte-voix de cette mobilisation qui est forte. Et moi, je crois justement à cette fonction démocratique des parlementaires, c'est qu'ils portent jusque dans l'hémicycle la voix de la rue. Et donc, jusque présent, nous avons participé à toutes les manifestations et nous contribuons à ce qu'elles se renforcent. Et j'espère que tout ça s'entendra dans l'hémicycle et qu'on arrivera à l'abrogation de cette loi. Une fesse nous berner par vos lois, on vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits, on vaut mieux que ça. La loi et le Khomri, on vaut mieux. Et toutes ces conneries, on vaut mieux. Marre de ces moqueries en haut lieu, nous, on vaut mieux que ça. Que toutes leurs tromperies, on vaut mieux. Ça paye pas le bon prix, on vaut mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça. La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière qu'en euros. La pyramide, on veut faux. D'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. Mieux repos et euros à journée, non, on vaut mieux que ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Mieux les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Mieux les heures partielles à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres qui t'a à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs. À qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couvré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se bourrer. C'est pas bourrer des salariés, car on vaut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en avirer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au mieux de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison, mais on vaut mieux que ça. Passer de 10 à 12 heures de travail par jour, on vaut mieux. L'extension du dispositif forfait jour, on vaut mieux. Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on vaut mieux. Oui, patron Jacou, on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça. Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser, on vaut mieux que ça. S'enliser dans l'entreprise et se mépriser, on vaut mieux que ça. S'échiner, mieux que ça. Et se ruiner, mieux que ça. Et trimer pour déprimer puis déprimer, on vaut mieux que ça.